Ah, voilà. Bonsoir à toutes et à tous. J'espère Bonsoir. que vous allez bien, que vous avez passé une bonne semaine. Bienvenue dans la zone. Ça va Nico? Ça faisait longtemps? Oui. Trop Bonsoir, longtemps. ça va? Ça va et toi, ça va? Bah écoute, un petit peu frisquet là. Hein. Il faut Ouais, dire des qu'il fait deux, un petit peu frisquet il va venir faire un stage dans le Nord, il va voir. dans le studio. Alors, avant toute chose, est-ce que vous nous entendez bien les amis? Parce que là, c'est la raison pour laquelle on a à peu près 10 minutes de retard. Au démarrage de l'ordi, il y a OBS qui nous a fait n'importe quoi. On n'avait plus de son. Donc voilà, le temps de recaler tout et de remettre en place. Il y a du son, me l'ordonne-nous Donc vous nous dit. entendez, Très donc ça bien. c'est cool. Merci. Par contre, nous, de notre côté, On on a vous pas de son. entend, nous, on vous entend pas. Nous, on vous entend pas. Voilà. Par contre, on entend JP, parce qu'on a fait JP, quelques qui est tests notre avant. invité ce soir. Voilà. Ça marche avec lui, donc normalement, vous devriez l'entendre aussi. On va tester ça tout de suite après. Bon, bref. La zone aéro, on va dire. C'est ici. Oui. C'est quoi qui. Ah, bah si, Jordan qui a récupéré le truc et on l'a entendu là. Alors, il y a des trucs qui passent et d'autres pas. Bon, bref, c'est pas grave. On gérera la partie son après, du moment que vous entendez, c'est ce qui compte. Déjà, merci à vous d'être ici à 18h30, parce que c'est vrai que c'est pas l'horaire habituel. C'est un Mais peu bon, exceptionnel, hein. voilà. Voilà, Il faut après. dire que Didier Deschamps a lourdement insisté pour qu'on fasse l'émission à 18h30 pour que tout le monde puisse suivre l'émission C'est du vrai qu'au vestiaire. départ, le match était décalé Oui. à 23h. Voilà. Voilà, pour nous, Les joueurs n'étaient pas d'accord. le temps qu'on fasse l'émission, qu'on Hein. mange, et après regarder le match. Donc au départ, c'était décalé à 23h le match. Ouais. Ils n'ont pas voulu Et après avoir voilà, modifié. Ouais. C'est ça. problème de décalage horaire avec le Qatar. Et tout. Enfin bref. Ouais. C'est ça. Bon, en tout cas, merci à vous d'être présents. Ce soir, de toute façon, on va déposer Un plan le de plan de vol. vol de l'émission. Juste avant, je Voilà, on va souhaite décoller. la bienvenue aux dernières personnes qui nous ont rejoints cette Ah. semaine. Il y en a un paquet. Je Ah. pense par exemple à Arthur le Viking, la Oh. Pingator, Vito Alvarez, Laurent Dev. Lapin. Lapin Gator. Lapin? Lapin Lapin, Gator. Lapin Gator, Lapin Ouais, Gator, exact. c'est voilà, c'est un croisement entre un alligator et Ça doit être ça, il doit mordre. Laurent Dev, Dragibustier, Mogs 84-200, Petit Gibus, voilà. Donc, ce sont des gens qui sont arrivés il y a très peu de temps. On leur souhaite la bienvenue dans la zone aéro. Merci aussi à l'équipe de Jumpseat, d'AeroBuzz, Oui, hier, voilà, qui Jumpsuit, nous ont fait apparemment, un bon ils petit coup parlent de de nous, promo. et puis ben, Bah oui, et puis nous, il on faut aller parle voir d'eux aussi. Jumpsuit aussi, hein. Oui, Vous allez regarder, c'est intéressant ce qu'ils font Il y aussi. avait des Hein. trucs sur des cadeaux de Noël hier qui étaient Ouais. assez sympas. Il y a pas mal de choses. Et il y a JP qui est là, d'ailleurs. Rolex A400, bah voilà, hein, le nom veut tout dire. On va le retrouver juste après notre JP national. Je vous rappelle que vous pouvez et vous devez soutenir la zone aéro en prenant un sub, les amis. C'est bientôt Noël en plus. Ça se passe en dessous, là. Vous avez les petits boutons sub et nous, ça nous aide. Surtout qu'on prévoit prochainement de faire évoluer le parc de matériel, d'avoir une Alors petite tu dis station. en dessous là, je regarde sur l'écran, Alors oui, ça mais nous on les a pas. en mode viewer, dessous, tu sais, tu as les petits trucs de follow, d'abonnement, etc. Et ça se passe là. Ah Et si oui. vous êtes abonné Prime, eh bien, vous pouvez soutenir la zone aéro sans que ça vous coûte rien. Comment? Bah, tout simplement en liant vos comptes, voilà, avec vos abonnements Prime. Bonsoir Skyflyer Aviation qui vient d'arriver. Il y a Nicotine70 aussi sur le chat. J'ai vu FreeFlight qui est le nouveau modérateur avec Jordan. Bienvenue à tous. Donc oui, prenez vos subs s'il vous plaît les amis, surtout si vous êtes abonné Prime, ça vous coûte rien et nous, ça va nous permettre de faire évoluer le matériel rapidement parce qu'on va en avoir besoin sur les prochains reportages qu'on vous prépare pour début 2023. Donc n'hésitez pas à le faire et d'ailleurs, dans cette optique, on a mis en place quelque chose depuis cette semaine. Ben voyez, il y a maintenant des petits grades qui s'affichent devant tout le monde. Voilà, FreeFly par exemple, ouais, tu vois, il est Oh, capitaine, il est commandant, commandant peut-être même. commandant, pas capitaine. Ouais, il doit être Non, commandant. c'est capitaine. Voilà, dédicace à Jumpseat, merci pour Jumpseat et toute la team Martin, Gilles, etc. Donc, On peut monter à lieutenant-colonel.
Hein? Oui, alors maintenant, alors, quand vous prenez des abonnements et quand vous êtes abonné depuis un certain temps, et ben vous montez en grade, les amis. Et vous voyez, il y a des grades et FreeFlight, il est abonné déjà depuis un petit moment. Donc, du coup, il évolue en grade. Et ça monte jusqu'au grade de Capitaine. général. Oh. Donc, on vous souhaite de monter en grade. Et d'ailleurs, on a lancé ça puisque les outils Twitch nous le permettent aujourd'hui. Les abonnés, les subs, ce qui est bien normal, vont suivre l'émission totalement librement. Par contre, avant l'émission, il y a une pub qui se Pub. déclenche pendant 1 minute 30 qui va nous reverser aussi des bénéfices dessus. Et puis, il y en a une normalement qui doit se déclencher pendant l'émission pour les gens qui ne sont pas abonnés. Voilà, donc si vous avez une pub qui se déclenche pendant l'émission pendant 1 minute 30, vous restez avec nous et ça sera une manière quelque part. Soyez patient. Voilà, il faut être patient pendant 1 minute 30 On et sera toujours là voilà. pendant la pub. Voilà. Nous, ça va nous aider. Donc soit vous regardez la pub et ça ne vous coûte rien, soit sinon, bah, vous prenez un sub et là, vous avez plus de pub du tout. Voilà. Voilà, donc vous avez le choix. Il y a Jordan qui a fait un petit lien là sur James It, là. Ouais, Les voilà. Les mardis de mardis de 12 à 14h. 12h à 14h. Merci, Merci Jordan. Jordan. Super. Voilà ce que je voulais vous dire. Donc, on va déposer le plan de vol de l'émission de ce soir. Et puis, la semaine prochaine, tant qu'on y est, hein, on va parler de l'invité EE que nous devrions recevoir. Ah C'est oui, Mélanie. Mélanie. Mélanie Hassel, voltigeuse, membre de l'équipe de France, membre de l'équipe d'Angleterre aussi, elle a été, puisqu'elle a la double nationalité, on en parlera Ah avec elle. d'accord. Ambassadrice de plusieurs marques. Et également Red Bull Race. Première femme C'est engagée impressionnant ça, sur les ouais. Red Bull Race à l'époque. Et on reparlera peut-être du championnat, parce que je ne sais pas si le championnat va revenir, mais sous une autre forme. Enfin, presque la même forme, mais plus sponsorisée par Red Bull en tout cas. Et ça devrait démarrer 2023, je pense, et on en parlera d'ailleurs avec elle, Ah savoir si oui, elle c'est s'engage ou sympa pas. à regarder comme course, comme Ah, c'est assez impressionnant. c'est ouais, c'est impressionnant. Ah oui, c'est. Quand ils accrochent les trucs là, Ouais, c'est chaud. Bah, le truc ça se on pourra dégonfle en et discuter, on tout. lui demandera si elle a fait tiens, Si elle des a accroché pilot un kits, peu, ouais. des strikes avec Oui, j'ai l'aile. vu quelques vidéos là sur YouTube. Et on reçoit Dan Garcia qui arrive. Et je comprends aussi sa présence, parce qu'il est un peu dans le domaine de l'aviation. Il a même fait des pièces pour la 400M dont on va parler ce soir. Et justement, on va déposer ensemble le plan de vol de l'émission du jour, les C'est amis. parti. Donc, Eh, on va pas traîner, il y a un match ce jingle, c'est soir. vrai, c'est parti. Voilà, dépôt du plan de vol de l'émission. Et Nicotine qui prend sa carte des 2 mois d'abonnement. Merci Nicotine70 pour le sub. Ça fait plaisir, merci à toi pour le soutien. C'est exact, en plus je fais de la 400M cette nuit. Ben voilà. Ah bah voilà. Est-ce que vous avez entendu le son du jingle? Parce que nous, on ne sait pas. Est-ce que vous avez entendu le son du plan de vol? Voilà, vous nous dites dans le chat si vous avez bien entendu. Non, Non. bah tu vois, c'est Bon bah incompréhensible. je ferai le bruitage. Voilà. On affiche le plan de vol de ce soir. Donc, actualité du terminal dans quelques instants. La 400M, donc l'Airbus A400M Atlas sous toutes ses coutures, avec un invité spécial, puisque JP nous a rejoint. Il est dans l'armée de l'air et de l'espace. On va parler un peu avec lui de sa carrière. Et puis, il est spécialement pilote et instructeur sur Airbus Instructeur. A400M. Vous désirez tout connaître de l'Airbus A400M, de l'avion, ses caractéristiques, son exploitation, n'hésitez pas à poser vos questions dans le chat. Non plus. Bon, on va reparler avec toi, JP, dans un instant. Voilà. Et puis, bah, fin d'émission, la traditionnelle question, foire aux questions, remise de Voilà. gaz, comme d'habitude, pour parler de tout et de rien. Voilà. Eh ben allez, c'est parti. On enlève le G1000, on balance le jingle qui aura peut-être du son, j'espère. Voilà. On va voir donc l'actualité du terminal. C'est parti. Actualité du terminal. C'est bien, mais en fait, je me demande pourquoi je m'embête à faire des jingles. On parlera du 320XLR. Pas ce soir, Nicotine. Normalement, on pourra en parler dans un autre truc, mais c'est pas le sujet de ce soir. Bien. Alors, hop, on va revenir et on va tout de suite donc afficher l'actu du terminal. Ah, Voilà. je ne travaille qu'en direct. Voilà, bah oui, non mais c'est affiché déjà. Ok, c'est cool.
Et hop, on va mettre cette caméra-là, comme ça on nous voit mieux. Bien, allez, c'est parti. Actualité du terminal, on l'a fait rapidement. Donc, on va parler tout d'abord d'un avion. Il est beau celui-là, hein. Il ressemble un petit peu à un Airbus, hein, ouais, de ouais. rien. C'est chinois, ça. C'est chinois. C'est le premier C-919 de l'histoire de l'aviation chinoise qui vient d'avoir le feu vert des autorités chinoises. Et oui, pourquoi ils nous ont demandé de construire des usines là-bas? Oui, 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 transfert de technologie, bien sûr. C'est le cœur du métier. Donc, le C-919 chinois proche de l'entrée en exploitation. C'est la COMAC, donc l'équivalent de la DGAC, donc l'aviation civile chinoise, qui, le 9 décembre dernier, a validé quelque part donc un certificat d'enregistrement et un certificat de navigabilité pour ce C-919. Donc, ça met comment dire, un point final à la livraison des premiers appareils, donc des 5 C-919 qui ont été commandés en 2021 par la compagnie China Eastern, que vous voyez d'ailleurs sur cette photo. Il n'y a pas les hublots hybridés, hein. C'est possible, il faudra regarder, zoomer, peut-être au niveau du pilote aussi. Oh, c'est pas bien. donc, c'est un monocouloir, évidemment. Pardon. Donc, sur cet exemplaire, on recense 164 sièges, 156 sièges en classe éco, 8 sièges en classe affaires. Donc, monocouloir, évidemment. La taille, bah, c'est à peu près celle d'un Airbus 320 ou la 737 à peu près, hein, ça vous donne un ordre d'idée. Et il est propulsé par deux moteurs CFM, deux LIP 1C. Voilà. Donc, la mise en service est prévue pour le printemps 2023, dans le ciel chinois en tout cas. C'est une première en tout cas, puisque c'est, on va dire, le premier avion de grande capacité de l'histoire de l'aviation chinoise qui est certifié comme ça. Les choses se profilent plutôt pas mal pour eux, puisque il y a 28 clients qui ont déjà qui sont positionnés sur l'avion et qui comment dire qui en auraient en objectif de commande 815 pour l'instant. C'est plutôt pas mal. Destiné essentiellement pour le marché interne à la Chine. Et salut Aviateur 59, bienvenue dans la zone. Salut Polo. Voilà, l'objectif in fine, ce sera 5000 monocouloirs en Chine d'ici 2040. Voilà les objectifs qui se fixent. C'est vrai que large, large. Ah ben voilà, jingle actualité de terminal par toi. Il y a Jordan qui vient de le clipper. Merci Jordan, toujours efficace. Voilà pour le C919 chinois. Est-ce que vous allez monter dedans? Alors, dedans, pas donc là, c'est un vrai made in China. Parce que nous, ouais, oui et non, on en avait parlé, on avait vu qu'il y avait quand même un certain nombre de pièces qui étaient faites aux États-Unis. Ah. Comme les moteurs. Les moteurs bah, voilà. Oui, nous on a bien des trucs made in China, il faut bien qu'ils aient des trucs made in France. Ou... Il y a des trucs made in China, il y a des trucs aussi qui viennent de principalement après, des États-Unis. Voilà, après il y a des pièces. Voilà. Donc tu monterais toi dedans? Oui. J'ai peur en avion. Ok, d'accord. Voilà. Est-ce que vous vous montriez à l'intérieur du C919? Une question qui peut être intéressante. C'est un avion, c'est un avion comme un autre, hein, s'il est certifié. Certifié par l'aviation chinoise, pour l'instant. Oui. Après, est-ce que, comment ça va se passer pour les process de certification ailleurs? Je ne sais pas. On va voir. Après, c'est pas vraiment une question de ça. C'est une question aussi d'entretien des compagnies aériennes. Oui, c'est ça. S'il y a des compagnies aériennes qui ont des Airbus ou qui ont des Boeing, et puis, ça ne se passe pas très bien avec leurs avions, parce qu'ils ne font pas des bons entretiens. À voir. À voir. Hop, et on continue avec, on va rester dans le thème, hein, 2A400M, ça tombe bien, c'est le thème de soir. En Indonésie. Livré, enfin commandé plutôt, pas livré, mais commandé pour l'Indonésie, donc l'Indonésie qui sera le dixième client à commander des Airbus A400M Atlas. Alors ça c'est la dénomination française, mais donc l'A400M. Vous pouvez voter pour savoir si vous voudriez monter dedans. Ah bah oui, regarde, il y a Jordan qui a fait un petit sondage qui apparaît dans le haut de votre chat. Tiens, on met ça, nous? Non, on vote pas, nous. Non, on vote pas. Nous, on vote pas. Vous votez, vous, nous, on vote pas. D'accord? Et on regardera les résultats. Cette commande pour l'Indonésie, c'est une commande qui datait de 2021, mais qui n'était pas activée, qui vient d'être activée, justement. Donc, ça en fait deux de plus de commandés. La flotte mondiale d'A400M, à l'heure actuelle, c'est 116 appareils recensés au fin novembre 2022. Voilà. Ce qui est plutôt pas mal.
Et sur l'ensemble de ce parc-là, ça représente 140 000 heures de vol au total qui ont déjà été réalisées par les A400M. Pour la répartition globale, on a trouvé un petit peu ça. Donc, on commence par la Luftwaffe, l'armée de l'air allemande, qui totalise 41 appareils qui sont actuellement en service. Puis, on a les Anglais avec la Royal Air Force, ils en ont 21. D'accord. Puis la France, on en a 20. Ensuite, l'Espagne en a 13. La Turquie en a 10. Puis, on arrive du côté de la Belgique où ils en ont 6. La Malaisie, ils en ont 4. Et donc, voilà. Et on termine par le Luxembourg où ils ont un exemplaire. Et puis, bah, il y aura les deux de plus pour l'Indonésie et d'autres, puisqu'ils restent en commande dans les différents pays, dont je crois que c'était le Kazakhstan, il me semble, qui en ont commandé aussi. Il y a 178 appareils en commande encore. Donc, c'est plutôt pas mal pour le constructeur Airbus. Ah bah ça se vend comme des petits pains, on dirait. Oui, c'est des petits pains qui sont un petit peu chers, mais ça se vend. Ça se vend pas mal. Voilà pour la 400M. Alors, on parlera plus en détail des caractéristiques techniques de la 400M tout à l'heure avec notre ami JP. Et enfin, on termine avec la signature d'un accord réalisé entre Rolls-Royce, le constructeur américain, et Pratt & Whitney aussi. Aussi, je vais m'en acheter un 400M. Ah, si tu veux. Je vais en acheter. Mais pour venir ici, ça va être chaud. Ouais, 72e. Ouais, je suppose à fond de ça que ça va être court. Donc, accord entre les motoristes Pratt & Whitney, Rolls-Royce et l'université Virginia Tech. Puisque l'objectif de cet accord, c'est l'étude pour la lutte contre l'ingestion en fait, de particules en suspension dans l'atmosphère à haute altitude par les moteurs. Ouh. Alors, à quoi c'est dû tout ça? C'est dû, vous avez peut-être entendu parler... à l'étude justement de moteur suite à un vol il y a quelques années d'un 747 qui était passé dans les cendres d'un volcan et qui avait provoqué l'extinction des quatre moteurs. Ah oui, oui, oui. Voilà. Oui, montriez-vous dedans à bord du 919, non à 67%. Mmh. Voilà, non à 67%. Donc, vous n'avez pas envie de monter dans les avions chinois? Ah bah dites donc. Et bienvenue à Pierre Dimerski qui vient d'arriver dans la zone, sois le bienvenu. Bienvenue à bord. Et ouais, donc, bah oui, quatre moteurs éteints. Quatre moteurs éteints. Oui, après, ça se comprend. Hein. Voilà, ils avaient pu rallumer, donc heureusement, il n'y avait pas eu de d'autres soucis que ça. Parce que la sonde, c'est assez. Et bien justement. L'idée, c'est de faire une étude avancée, axée au départ sur les dommages créés par les cendres volcaniques, mais aussi d'autres cendres en suspension. Et ça représente, en fait, pour les compagnies, plus de 100 millions de dollars chaque année de dommages. Ces particules sur les moteurs. Donc, l'étude, c'est étude des principes fondamentaux de la propriété des particules en suspension dans l'air, mais c'est aussi plus large au sol, enfin au sol, quand les avions se déplacent au sol ou plus haut, on pense au sable, on pense à la poussière, donc on est aussi quelque part. Ouais, voilà. Ouais, pour la 400M, on parlait tout à l'heure, il peut évoluer sur des pistes non revêtues, donc là, ça peut avoir aussi un impact. C'était un peu l'objectif, ouais. Et l'idée, justement, de cette étude-là, c'est d'apporter des réponses, de prédire des effets. Si on arrive à prédire les effets, on pourra prédire les dommages. Et si on arrive à prévoir les dommages, on va donc prévoir la maintenance qui va avec. Donc la boucle est bouclée. On va lutter comme ça contre le vieillissement accéléré et les diminutions des performances liées aux dommages qui sont faits sur les moteurs par ces particules. Et l'objectif, encore une fois, comprendre, prévoir, prévenir, anticiper, baisser les coûts d'exploitation et de maintenance, diminuer aussi la consommation, puisque comme il y a moins de rendement, il faut faire tourner le moteur. Donc, il vieillit plus vite, etc., il consomme plus. Et donc, au final, augmenter la performance de ces moteurs-là. Prévoir, anticiper, on se croirait dans le film avec Tom Cruise. Là. C'est un peu ça. Comment ça s'appelle? Je ne me souviens plus comment ça s'appelle ce film. Minority Report. Minority Report. Ouais, c'est ça. Voilà. Alors, Rolls-Royce, Pratt & Whitney, des grands noms de moteurs de l'aviation. Hein. Alors, Rolex, oui, qui nous dit bon choix pour l'Indonésie, évidemment. Et Dan Garcia, ça va en faire des pièces à faire cette nuit pour moi. Bah ouais, Dan, là tu vas bosser. Hein. Tu vas bosser. Il va falloir négocier le contrat. c'est un British Airways 747 de mémoire, c'est possible. J'avais vu le truc, c'est possible. Salut, A400M n'avait pas eu des soucis de moteur au début. On va en reparler dans quelques instants avec JP. Voilà, on a fait le tour de l'actualité du terminal, les amis. Nico, t'es prêt à faire le jingle? On va lancer. Oula, c'est court. Ah bah oui, bah on va lancer la suite, hein, on va retrouver notre ami JP. Bah écoutez, je vous propose de passer sur l'embarquement avec notre ami JP ce soir et embarquement dans la 400M. La 400M. C'est parti.
Embarquement avec la 400M ce soir. Attachez vos ceintures, attention, ça va y aller, ça va y aller. Il va y avoir ça va clipper à mort sur le truc. Bien, allez, on passe avec notre ami JP qui va arriver. Hop, voilà. Faut juste qu'il réactive sa caméra et son micro et on va retrouver notre ami JP dans un instant. Voilà, ça marchait tout à l'heure, il n'y a pas de raison. Voilà. Donc ce soir, on a dit, on va parler de la 400M. Ça y est. Le voilà, notre ami JP. Est-ce que tu nous entends ? Désolé, je recevais un coup de fil juste à ce moment-là. Ah, c'est pas grave. Bien, merci JP avant toute chose de nous avoir rejoints dans la zone, ça fait plaisir. Merci d'être là. Mais il n'y a pas de problème, avec plaisir. Surtout pour parler d'un chouette avion qui fait un petit peu partie de ta vie. Oui, depuis 11 ans maintenant. Eh oui, ah oui, 11 ans mine déjà, de rien, ouais. Mine de rien. D'accord. Alors, on va parler. Allez, on va peut-être faire la petite minute de présentation si ça te va. C'est-à-dire qu'on va déclencher un petit chrono à gauche, et l'objectif, c'est, on va dire, de faire une petite présentation en une minute de qui tu es et en quoi ta présence ce soir, ce qui concerne le sujet du jour. Ça te va ? Pas de problème. Allez, c'est parti. Et le chrono, c'est parti. Eh bien, écoutez, je ne sais pas si c'est lancé. Si oui, c'est lancé. Eh bien, écoutez, ravi donc d'être avec vous. Donc, mon petit nom, c'est JP Rolex pour les intimes de l'armée de l'air, comme toi. On s'est connus donc, en 97, et puis j'ai eu la chance de poursuivre mon parcours. Donc, breveté pilote de transport 99, expérience Transal. Instructeur à Cognac, expérience CASA, puis j'ai eu la chance de rejoindre le programme A400M en 2011, avec, pour préparer l'arrivée donc, de l'avion, faire toutes les premières avec l'avion au sein de l'équipe de marque. Le premier avion est arrivé en 2013, et puis voilà, j'ai rebasculé en escadron opérationnel sur la fin, puis en escadrille d'instruction. J'ai quitté l'armée cet été, je travaille désormais pour Airbus, en tant qu'instructeur A400M, donc je ne fais que continuer, c'est le bureau d'à côté. Okay. Voilà, eh bien, à peu près 2500 heures d'A400 et 6000 heures au total, voilà. Bah, c'est plutôt pas mal. C'est bien. C'est plutôt pas mal. Donc effectivement, avec JP, belle on carrière. Était dans la même promo, c'est connu en 97. D'accord. Donc ça fait 25 ans. Ah oui, c'est ça. De où vous connaissez. Ah oui, mais c'est ça. Donc, c'était ZOPN, des copains d'école. C'est un peu ça. Voilà. C'est un peu ça. On était dans la même piole en plus. J'ai retrouvé des photos, mais on ne va pas les diffuser ce soir. Non, pas celle-là. Ouais, non, c'est ça. Il faut garder un standing quand même. Ah. Ouais, c'est ça. C'est plus parce que le survêtement n'était pas de. Ouais, coup, voilà, c'est, on va dire ça. Pour des raisons purement vestimentaires. Tout ce qui s'est passé dans la chambre, reste dans la chambre. Donc, bah, écoute, tu nous as fait un petit déroulé global de ta carrière. Et donc là, on parlait de l'A400M. Comment est-ce que tu as vécu l'arrivée de ce programme A400M, est-ce que c'est toi qui t'es dit « moi, je veux aller là-dessus, c'est l'avion de demain », comment ça s'est passé ?» Alors, rarement dans l'armée, on se dit « moi, je veux aller là-dessus » et on choisit. Hein. Ah donc, oui, c'est ça. C'est ça la question, est-ce que tu as eu le choix ? Non, ben, je pense pas. Non, on ne peut pas dire qu'on n'a pas le choix, on a le choix. C'est juste qu'il y a des profils qui sont identifiés par la RH, voilà, et après, on nous oriente, on nous demande notre avis, mais… Globalement, quand on nous propose un projet comme ça, c'est difficile de refuser quand même. Ouais, d'accord, ok. Donc le projet est venu à toi, on va dire. Et première question, tu vois, d'Aviator 59 qui dit « Comment devient-on pilote de transport militaire ?» Eh bien, en faisant les sélections comme n'importe quel autre pilote de l'armée de l'air, donc soit les sélections EOPN, donc élève officier du personnel navigant, soit l'école de l'air, donc le concours après les classes prépa. Donc là, dans un cas, le concours école de l'air, ça amène une carrière d'officier, deux carrières. Donc, on va dire une grosse dizaine d'années dans l'opérationnel et le reste plutôt en état-major. Ouais. Et puis, pour les EOPN, ce que nous, on avait tenté, toi et moi, eh bien, c'est une sélection sur des aptitudes et différents tests. Et puis ensuite, formation en tant que pilote. Voilà, et donc, on reste pilote comme moi jusqu'au bout. Donc, moi, j'ai pu aller jusqu'au terminus de ce qu'on me proposait en contrat. Et donc, 25 années de bons et loyaux services. Voilà. Ok.
Voilà pour la sélection. Et après, c'est en interne de l'armée de l'air que l'orientation se fait entre chasse et transport, en fonction des besoins des armées, en fonction des résultats, en fonction voilà, des places disponibles dans les écoles. Ça varie, c'est voilà, il n'y a pas de, il n'y a pas de règles par contre pour ça. Ok. Et du coup, alors en transport, est-ce que tu peux nous résumer un petit peu les différences que tu as pu découvrir entre tous les avions de transport que tu as pu faire, y compris par exemple, je pense au fameux Xingu peut-être, sur Avor. Comment est-ce que tu as vécu cette évolution jusque au point d'orgue qu'est la 400M? Est-ce que c'est successif, on va dire, dans la progression de la vie d'un pilote de transport? Ouais, non, une fois qu'on a passé, une fois passé le stade de Avor, les choses, je dirais, les choses sérieuses commencent. Avor, comme toutes les écoles dans l'armée de l'air, comme sur Alpha Jet ou PC 21 maintenant, c'est un socle de connaissances, un socle d'apprentissage. Je dirais que c'est un peu le CPLIR ME pour les écoles civiles standard. Et après, c'est vraiment en escadron sur l'avion d'armes qu'on va apprendre réellement le métier. Donc là, après, bah, ça varie en fonction des avions, mais globalement, il y a quand même il y a une ligne directrice pour tout ce qui va être avion de transport tactique, en tout cas, lié aux tactiques, aux ambiants, à l'environnement, voilà, au théâtre d'opération. Après, c'est lié aux machines. Et ça, c'est globalement 4 ans de formation pour être amené, entre 4 et 6 ans, on va dire, pour être amené au statut de commandant de bord sur la machine. Voilà, et instructeur, on va dire 2 ans plus tard, et puis voilà, puis après on progresse. Et ensuite, les changements d'avion, c'est pas lié à quoi que ce soit, c'est pas progressif. Moi, j'ai fait du CASA après avoir fait du Transal, donc ça a absolument rien à voir. La 400 à l'issue, voilà, donc c'est vraiment des machines différentes ensuite, donc avec un nouvel apprentissage à chaque fois. Et en fait, donc t'es arrivé premièrement sur le Transal, c'est ça? Donc Oui. c'est un avion qui t'a plu par rapport à la 400M ou il était plus lourd ou plus vieux aussi? Ouais. Parce que c'était utilisé quand même bien opérationnellement, quoi. Bon, Parce de toute que façon, le premier avion, c'est toujours en général notre avion de cœur. Parce qu'on est jeune, parce que c'est l'accomplissement bah, voilà, de beaucoup d'années d'école, de beaucoup de travail. C'est en général la machine qu'on va le mieux connaître parce qu'on bah, voilà, on va attaquer l'instruction. Depuis le début, donc on va être en plus beaucoup star quizé, comme on appelle, donc beaucoup questionné par les instructeurs sur la machine, sur son contenu, hein, sur sa technique et autres. Donc c'est celle qu'on va connaître le mieux, c'est celle qui va nous laisser le plus de souvenirs en règle générale. Maintenant, la comparaison entre le Transal et la 400, c'est deux mondes différents. C'est comme comparer le Jaguar et le Rafale. C'est comme comparer un A350 avec un Constellation, quasiment. Donc, en fait, c'est deux mondes à part. C'est des bêtes qui n'ont absolument rien à voir. J'ai pris beaucoup de plaisir avec le Transal. J'en ai pris beaucoup aussi avec la 400M. D'une autre façon. C'est différent, comme tu dis, mais pourtant, ça a le même objectif de mission. Oui, ça a le même objectif de mission. Mais ce n'est pas du tout la même façon de voler. Déjà, la 400M, on est un équipage à deux pilotes. Ensuite, on a bien sûr des load masters, c'est-à-dire des gens qui sont en soute pour s'occuper du matériel ou du largage des passagers, etc. Dans un Transal, en conduite, on était quatre, deux pilotes, un mécanicien navigant, un navigateur. Donc déjà, passer de quatre à deux, bah, ça change pas mal. De passer d'un avion à commande de vol électrique avec un système d'armes hyper moderne, ça n'a absolument rien à voir d'un avion à commande hydraulique ou à câble, comme pour le CASA, avec une avionique, on va dire, un peu old school. Voilà, donc c'est vraiment. On passe dans un monde un peu différent. Bien sûr, un avion, ça reste un avion. Hein, on tire sa monte, on pousse, ça descend. Suivre une carte, c'est toujours pareil. Mais avec des vitesses différentes, des systèmes, des capacités tactiques différentes. Donc voilà. Et puis à deux, donc c'est pas le même boulot quand même. Du coup, ça m'amène une question là, parce que effectivement, c'est le même objectif de mission, mais est-ce que tu as noté des différences notables de performance en fait entre le Transal et la 400M? J'ai tendance à dire, en général, pour simplifier, que ce qu'on faisait avec 6 Transal, on le fait aujourd'hui avec un seul à 400 mètres. Ah oui, ah ouais, quand même. Ah oui, bah tu Donc vois, on c'est. n'avait pas conscience de cette Ah oui. capacité-là, hein.
Ah oui, non, mais en fait, pour bien que tout le monde comprenne, et c'est bien d'ailleurs l'erreur commune, c'est que la 400M ne remplace pas le Transam. La 400M est un vecteur dans une autre dimension. D'accord. C'est vraiment une autre gamme. Donc, on pose un A400M aujourd'hui sur un terrain sommaire, c'est-à-dire un terrain en sable dans le désert, à 123 tonnes, là où on posait un Transal à 42 tonnes. Oui. Ah oui, ça fait quand même okay. trois fois. Oui, ça fait trois fois l'emport. Trois fois plus. Hein. Ah ouais, oui, on dépose. En fait, après, ce qui est intéressant, ce n'est pas tant la masse, parce que si l'avion faisait 100 tonnes, on n'emmènerait pas grand-chose. Mais c'est la masse emportée, donc ce qu'on appelle la charge offerte. On dépose sur ces terrains-là quasiment 30 tonnes, là où un Transal, on y déposait sur le même terrain, on déposait 7 tonnes. Ouais. Peut-être un peu plus, mais en tout cas, on pouvait poser peut-être 12 tonnes, mais on ne pouvait pas redécoller avec les 12 tonnes. On n'aurait remporté que 4 ou 5 tonnes. Alors, l'avantage de la 400 et de sa puissance, c'est que ce qu'on pose, on peut le ramener aussi. Oui, d'accord. Ok. Donc, et pour ce qui est le chargement, enfin, sans rentrer dans des trucs confidentiels, mais c'est bon, il y a du, je suppose qu'il y a du fret, du fret, mais il y a aussi du matériel de l'armée de terre aussi, des véhicules. Il y a de tout, du véhicule, des véhicules qui ont fait l'actualité, comme le canon César, par exemple. Oui. On peut faire de l'hélicoptère, on fait bien sûr de la palette, on fait, voilà, on peut larguer tout un tas de charges, on largue bien sûr des parachutistes, on peut faire du vrac. Quand on a fait, si vous avez suivi l'actualité, les évacuations en Afghanistan, voilà, les gens, on a enlevé tous les sièges et les gens étaient accroupis par terre. Voilà, on a pu monter la capacité de l'avion qui normalement a 116 sièges. Le maximum, on a dû faire 300 passagers à bord de l'avion. Ah oui, d'accord. Ah oui, quand même. Bon, après, on est assis par terre, donc c'est pas oui, le prix du billet n'est pas. Non, le prix du billet n'est pas le même, mais je crois que ces gens-là étaient intéressés par un billet gratuit. Oui, c'est ça. Assis par terre et puis voilà. On a quelques questions déjà, on passe déjà les trois petites questions du chat. Avec la première question bête, pourquoi des hélices sur la 400M et non des réacteurs? Alors, c'est une bonne question. Les réacteurs sont particulièrement efficaces, on va dire, pour tout ce qui va être haute vitesse et haute altitude. À l'inverse, des hélices qui vont plutôt être efficaces pour tout ce qui va être basse vitesse, basse altitude. Donc, il fallait trouver un compromis entre les deux, puisqu'il faut pouvoir poser l'avion sur des petits terrains, en redécoller également, évoluer dans des plages de vitesse basse, et en même temps, finalement, pour avoir une croisière rapide et avoir une élongation suffisante, avoir un rapport là aussi intéressant. Et donc, c'est là où la 400 est assez exceptionnelle, et ses moteurs, notamment, et ses hélices, c'est qu'il arrive quasiment à avoir les performances d'un réacteur tout en ayant quasiment les performances des meilleurs turbopropulseurs tactiques comme le Transal, juste comme ça. C'est-à-dire qu'on a un range d'utilisation qui est juste fabuleux parce que c'est le couple moteur, hélice et commande de vol aérodynamique de l'avion qui font la différence et là c'est juste fabuleux. Ouais. Là ça me fait penser, j'ai une question parce que c'est un quadrimoteur, il y a deux moteurs de chaque côté, sur chaque aile. Et si on regarde les deux moteurs, ça prend pratiquement l'envergure de l'aile. Oh, ah oui, un d'accord. Peu comme le... Ils avaient fait un Breguet aussi, pareil comme ça, Stoll, V-Stoll, le décollage est un peu pas vertical, mais très court. Et en fait, c'est ce qu'ils appelaient un système d'aile soufflée. En fait, l'aile, elle est soufflée par l'hélice. Là, c'est un peu le même système, non? C'est pas... Ils ont repris un peu le... Alors, techniquement, je ne saurais pas vous dire exactement ce qui a fait le choix du positionnement des moteurs. Ce qui est sûr, en revanche, c'est que les moteurs sont contrarotatifs. Donc, en fait, on a les moteurs internes qui ne tournent pas dans le même... Enfin, chaque moteur va tourner dans un sens différent. Donc, le moteur 1 dans un sens, on va dire, anti-clockwise, et le moteur 2 clockwise, moteur 3 anti-clockwise et moteur 4 clockwise. Ce qui permet d'avoir un souffle qui est symétriquement bien réparti. Ce qui évite la notion de moteur critique, bien connue des biturboprops, mais même des quadris. Lorsque les quadris ont des hélices qui tournent toutes dans le même sens, il y a une notion de moteur critique qui existe aussi. Tandis que là, on n'a pas. Ce qui, du coup, améliore grandement ses capacités
en cas de perte moteur, et donc la VMCA, tout le contrôle au sol aussi avec la VMCG, ce qui permet d'atteindre des vitesses d'emploi très faibles, oui. Et ce qui lui permet du coup, grâce aussi à ses commandes de vol électriques, de nous faire des approches à des vitesses particulièrement faibles. On a quasiment les mêmes vitesses d'approche qu'un Transal, mais avec 80 tonnes de plus, quoi. Oui, d'accord. Oui, c'est alors, sûr. Il y a Freefly qui nous dit c'était le Breguet 941. Oui, c'est ça. Breguet 941, alors, vous pouvez taper sur Google. Petite précision pour les téléspectateurs. Car alors, le moteur numéro 1, c'est le premier qui est à gauche. Le 2, c'est le suivant. Et ensuite, il y a le 3 et le 4, c'est bien ça. Oui, c'est ça, tout à fait. En sens de la lecture, en fait, de la gauche vers la droite. 1, 2, 3, 4. Oui, toujours. Voilà, c'est pour les gens. Alors, hop, afficher l'image dans un nouvel onglet, hop. On va peut-être pouvoir vous le montrer rapidement, hop, bah oui, le briguet, en faisant ça, là. Est-ce que, non, pour l'instant, vous ne le voyez pas. Vous allez le voir dans deux petites secondes, hop, petite voilà. Ah, bah voilà, c'est voyez sympa. Ça ressemble voilà, à ça. Voilà, c'est le Breguet 941. Ça, c'est le Breguet 941. Ah oui, donc voilà. 4 moteurs également. 4 moteurs. Si tu regardes, c'est réparti en fait sur pratiquement l'envergure de l'aile, on va dire. Et je trouvais que la 401, ouais. C'était un peu pareil. Ok, ça marche. Bon, parfait. Très bien. Donc, ça a répondu en même temps à la question de Dan Garcia qui posait oui, justement sur le sens des hélices. Ouais. L'inversion du sens de rotation des hélices. Et enfin, Nabominable qui nous demande est-ce que la rusticité du Transal ne t'a pas manqué ? Disons que c'est un choix à un moment. Il faut avoir le ratio entre un avion qui permet d'aller vite, qui permet d'économiser un peu de carburant, de transporter beaucoup, voilà, etc. Donc en fait, on est obligé de passer à des avions qui sont avec des matériaux composites, avec des technologies modernes, on va dire, pour augmenter l'emport, augmenter l'efficacité. En oui. revanche, là où c'est contraignant, c'est qu'effectivement, nos théâtres de jeu sont en général un peu sableux, un peu caillouteux, ce qui, sur un matériau composite, n'est jamais une composante qui est de succès. C'est vrai qu'un Transal fait de rails de chemin de fer et d'hélices en métal, c'est un peu plus solide. En revanche, on n'emmène pas grand-chose. Donc après, c'est tout l'équilibre qu'il faut trouver entre les deux. D'un point de vue pur pilote, j'avoue que la climatisation de la 400M, c'est bien plus agréable que les 70 degrés dans le cockpit du Transal. Oui, c'est vrai. Dans le désert, en plus. Tu as vécu justement ce genre de choses, de situations un peu extrêmes, d'ailleurs aussi bien physiquement dans un cockpit que au niveau des perfos dans l'avion, dans un environnement un peu hostile. Oui, tout à fait. Avec le Transal, on a vécu pas mal de situations à droite à gauche, effectivement, et en Afrique, alors le Transal était pas, il avait beaucoup de qualités, sa clim n'en était pas une. Oui. Au mieux, au sol, on avait 5 degrés de moins que la température extérieure. Sauf qu'en fait, c'est un avion en métal, et que quand le soleil tape sur le cockpit, quand il fait 45 à l'extérieur, dans le cockpit, on montait facilement à entre 60 et 70 degrés. Donc au mieux, on tombait de 5 degrés cette température-là. Voilà. Donc il fait très vite chaud. Ouais. Voilà. Et après, oui, le Transal nous a permis régulièrement de... Il y a eu des situations où on a campé avec le Transal au milieu du désert, avec nos amis de l'armée de terre. C'était du vrai campement. Hein. On faisait chauffer l'eau dans les jerrycans. D'accord. On dormait au milieu du désert. Koh-Lanta. C'est ça. Des œufs au plat ouais. sur l'atoll chaude. Ouais, tout à fait, tout à fait. D'accord, ok. Tiens, petite question de Christophe855, et j'en profite aussi pour saluer Céline qui vient d'arriver. Et puis j'ai vu aussi Badinter18. Oh, les questions n'arrêtent plus, impeccable. La 400M reprend-il des technologies identiques aux Airbus commerciaux, ou est-ce que c'est, somme toute, très différent? Alors, il reprend des technologies parce que, bien sûr, Airbus s'est servi de... C'est la première fois qu'Airbus faisait un avion comme celui-ci. Déjà, la première fois qu'il faisait un turboprop, la première fois qu'il faisait un avion militaire de transport.
Donc il y avait la connaissance chez Casa, qui a été rachetée, enfin qui est passée ADS et donc qui est passée en gros dans le consortium Airbus. Donc ça a un peu aidé. Donc pour répondre clairement à la question, oui, le cockpit globalement c'est un A380. La grande majorité de la technologie c'est de la génération A380. Après, les moteurs sont complètement nouveaux. C'est un consortium EPI. C'est sur une base de moteur de Rafale à l'origine, mais bon, bien Ah amélioré, oui. puis avec beaucoup d'autres choses différentes. Les commandes de vol, ça, c'est sur une base, bien sûr, de ce qu'ils savaient faire avec les commandes de vol électriques, mais dans un tout autre domaine, avec des gains complètement différents, avec des capacités complètement différentes. Donc là, si vous voyez le tactical display, la 400M nous permet d'avoir des inclinaisons jusqu'à 120 degrés en étant protégé. Oui, Ce ah qui oui. n'existe pas sur un avion commercial. Donc, tout ça, bien sûr, il a fallu qu'il le développe. Donc, en fait, on se rend compte qu'il y a énormément de choses qui Tiens, sont nouvelles, finalement, dans j'affiche en cet même temps avion. l'image, hein. T'inquiète pas, on te coupe pas, tu peux continuer de le commenter en même temps. Il n'y a pas de souci. C'est mieux de voir la 400M. Donc, oui, il y a beaucoup de technologies. Donc, en fait, ils se sont servis de la base, de leurs connaissances. Mais globalement, il y a quand même énormément de choses qui sont nouvelles. Le train d'atterrissage, par exemple, n'a absolument rien à voir avec le train d'atterrissage des avions commerciaux. C'est d'ailleurs une amélioration du train du Transalp. D'accord, Ouais. il y a quoi? Il y a six, combien de bogies? Trois bogies de chaque côté, c'est ça? On en a trois de chaque côté, tout à D'accord. fait. Je regarde ici Ouais. la photo. Ce qui roule de chaque côté. Voilà. Bon, Attendez, je vais vous l'afficher dans deux petites voilà, on va secondes. voir la Voilà, photo. là on les voit mieux, là, ici, là. Voilà. Tout à fait. Ok, Tout à ça fait. marche. Donc, Et puis les moteurs, tiens. Hop, les moteurs juste au-dessus, exactement. dont on Les parlait. magnifiques TP400. Avec la petite croix, d'ailleurs une petite croix sur le cône de Alors, l'hélice. ça, c'est parce que c'est un avion d'essai, ça. D'accord. D'accord. Ah bah oui. Ok. Alors, tiens, pendant qu'on est là, on voit une perche aussi. Donc, perche, possibilité de se ravitailler en vol. Ok. Oui, tous les Exercice avions difficile, je suppose. sont. Alors. J'ai pas eu la chance, j'ai quitté avant de pouvoir faire cela. Néanmoins, j'ai suivi ce qui se passait et puis j'ai quand même discuté avec mes collègues qui ont fait les essais et les expérimentations. Oui, exercice pas facile. Néanmoins, le comportement de l'avion est parfait. On a une loi de commande de vol dédiée au ravitaillement en vol. Donc, en cliquant sur un bouton, en gros, vous avez un avion qui réagit tout à fait différemment lorsque vous le pilotez. C'est-à-dire, pour faire, on va dire, pour simplifier, si vous touchez à rien quand vous tirez sur le manche, ça fait du pitch, d'accord? Ça fait de l'attitude. Donc, c'est le nez, en gros, de l'avion qui monte. Lorsque vous utilisez les commandes de vol, de ravitaillement en vol, ça fait un peu comme un hélicoptère. C'est-à-dire que quand vous tirez, ben, en fait, l'avion, il monte, mais il monte à l'horizontale. Ouais, d'accord. Voilà. Ah. Donc, il y a vraiment là-dessus, les ingénieurs d'Airbus ont fait vraiment des commandes de vol fabuleuses sur l'avion, donc pour le ravitaillement, pour d'autres choses aussi. Voilà. Après, oui, c'est pas facile, c'est de la formation, mais globalement, ça se fait bien. Alors, quand j'étais petit, on disait que le Transal, ça se posait sur un terrain de football. Est-ce que c'était vrai? Oui, alors, techniquement, oui, c'est possible. Avide. Avide sans Ouais, c'est carburant. ça. C'est ça. Non, on pouvait assez facilement. Alors après, il y a toujours une notion entre réglementation et performance pure de l'avion. On va dire que réglementairement parlant, on utilisait des pistes de 1000 mètres. Et normalement 30 de large, mais on pouvait déroger à aller jusqu'à 15 de large. Aujourd'hui, avec la 400M, on a changé de façon de voir. On regarde les performances de l'avion et on détermine si ça peut passer avec la piste. Et globalement, aujourd'hui, on est à peu près sur les mêmes dimensions de piste. Oui, d'accord. Donc, après, avec un Transal, oui, on pouvait se poser beaucoup plus court, mais ce n'était pas forcément réglementaire. Voilà. C'est-à-dire que les performances de l'avion nous permettaient de nous arrêter en moins de 300 ou 400 mètres, mais il fallait qu'il n'y ait pas de problème. Oui, c'est ça. d'accord. Enfin, je parle de ça parce que c'est quand même des avions qui sont faits pour être dans des situations de guerre, on va dire. Et une situation de guerre, je pense pas qu'il y ait de réglementation, en fait. Alors, il y en a quand même une,
En fait, il y a guerre et guerre. Si on, si on prend l'Indochine, c'est sûr qu'à ce moment-là, ceux qui étaient au-dessus de la cuvette, il n'y avait plus de réglementation. Il est bien, c'est bien évident. Voilà, c'est. En revanche, sur les théâtres d'opération aujourd'hui, on ne fait pas n'importe quoi. Oui, bien Parce sûr. que on va pas risquer la vie des gens qu'on a à bord ou la nôtre ou les avions tout simplement. Donc on va prendre des marges, des marges de calcul et on va travailler avec ça. Ouais. Ok. Ok. Bah, je vois une question de Skyflyer Aviation qui a dû avoir une petite coupure et qui avait posé cette question. Pourquoi avoir choisi un turboprop et non pas un moteur à réaction? Donc pour, voilà, pour resimplifier la réponse, c'est le Bah, moteur haute altitude, croisière, voilà, perfo. de meilleures performances basse altitude pour les 400 m. Voilà. Et donc du coup, Voilà, le travail de voilà. la 400 m, c'est plutôt à basse altitude. Hein, donc, Voilà. Mais Oui, puissant aussi à haute vitesse, quoi. après les ingénieurs, le challenge a été de trouver le meilleur ratio. Et le réacteur ne permettait pas Oui. d'avoir le meilleur ratio sur les basses vitesses et performances terrain court, là où les hélices pouvaient. Et ensuite, tout l'enjeu était d'avoir des hélices suffisamment efficaces à haute altitude. Et ça, il y avait quand même moyen de travailler. Et ils ont réussi à faire quelque chose de bien. Après, c'est un couple, hein, comme je vous l'ai dit, avec l'aérodynamique et tout, parce que l'incidence de l'aile joue aussi une part importante là-dedans. Alors, plus on va y mettre de l'incidence, plus on aura des performances basse vitesse, moins on aura d'incidence sur l'aile, plus on aura des performances haute vitesse. Donc là aussi, c'est pareil, le calibrage de l'aile a une forte importance. Voilà, donc c'était un ratio entre tout ça. Mais on arrive aujourd'hui à un avion qui en croisière vole donc en standard, pas en vitesse max, hein, en standard à 0,68, Oui, ce qui est plutôt pas mal. là où un réacteur va être à 0,82. Et si on volait à vitesse max, on serait à 0,72. Ouais, D'accord. ouais, donc on n'est pas très loin finalement, Donc on n'est pas très loin d'un réacteur. Au niveau d'accrochage, en temps normal, on évolue aux alentours du niveau 330. On peut monter la 400M et certifier jusqu'au niveau 400. Ouais. Donc, moins haut bien sûr que les réacteurs, mais c'est quand même pour un turboprop aujourd'hui, c'est à part le TU95, je pense que c'est ce qui se fait de mieux. C'est pas le cœur du métier non plus, de faire des vols à très Non, haute c'est pas le altitude. cœur, mais il faut quand même aller vite et aller loin. C'est quand même le but de cet avion-là. Donc, c'est un bon ratio, voler aux alentours des niveaux 300 et quelques. Et puis d'avoir un 0,68 de Mach, c'est un bon ratio pour un turboprop. Ouais. Donc 300 et quelques, pour donner un ordre d'idée, c'est une dizaine de kilomètres d'altitude, quoi, pour faire simple. C'est ça. C'est Voilà. ça. Quelques petites questions encore qui arrivent. Et bonsoir à l'équipe de Jumpsite qui vient d'arriver. Qui On viennent vous a fait un petit d'arriver, ouais. coucou tout à Bonsoir, l'heure avec une Jumpsite. dédicace. Bonsoir à vous. Il y a une question là, pas mal là, ravitaillable. Donc, Ouais, elle est bien juste après. ah Il y ben, a d'accord. Nicotine qui dit, je me demandais, est-ce que avoir des hélices qui rotatent dans le même sens influe sur le torque effect et tend à plus faire banquer, donc incliner l'avion. Du coup, avoir des hélices qui tournent dans le sens inverse devrait annuler l'effet. C'est un petit peu ça que tu as expliqué tout à l'heure par rapport au souffle. Contre-rotatif, quoi. C'est pour simplifier, c'est un peu ça. Hein, c'est l'effet, y a pas d'effet de moteur critique. Donc effectivement, c'est pas juste un effet de torque, c'est aussi un effet sur la dérive, hein, le moteur critique. Mais bon, plus d'autres choses. Mais effectivement, l'idée d'avoir des hélices contrarotatives, c'est d'avoir un flux qui est le plus laminaire possible sur l'avion en toutes circonstances. Ok, et très bonne question de Nabobinable, toujours sur la partie ravitaillement dont on parlait il y a quelques instants. Ravitaillable, mais est-il envisageable que la 400M soit également ravitailleur? Oui, ravitailleur, pas tous les. Alors, tous les A400M peuvent être ravitailleurs si les États qui l'ont acheté en ont pris l'option. Donc, après, c'est une question de volume d'avion. Nous, pour ce qui est de la France, je ne sais plus quel est exactement le ratio d'avions, mais on en a quelques-uns aujourd'hui qui sont ravitailleurs. Donc, ravitailleur sur pod ou sur point central. Donc, c'est-à-dire pod, c'est sur l'extérieur, c'est sur les ailes. Ou point central, c'est un système qu'on appelle un HDU. Qui vient se mettre au niveau de la rampe avion, donc qui est juste en fait dans l'alignement du fuselage. C'est comme les On KC-135 peut. finalement. Oui, ouais, c'est ça, comme les C-135. Et puis l'avantage aussi de la 400, c'est qu'on va pouvoir ravitailler donc à la fois de l'avion de chasse, ce qui est le cœur domaine, et également des hélicoptères.
Ça avait fait un peu polémique, fut un temps, en disant que soi-disant la 400M ne pourrait pas ravitailler l'hélicoptère, mais ça y est, Ça y est. c'est fait. D'accord. Il est certifié pour, et donc Et pourquoi d'ici. il devait pas pouvoir le faire? Et j'en profite pour montrer un petit peu le pote dont tu parlais là. Hop, voilà. Voilà. Tout Alors, à fait. c'est pas exactement ça pour Ça, c'est nous, parce que ça, l'américain. c'est. Voilà, parce que puis ça, c'est piloté par un boomer. Nous, c'est pas exactement ça, mais dans le principe, c'est ça. C'est-à-dire, dans l'alignement de fuselage d'avion, il y a un point central. Mais alors, pourquoi, quand il y a eu les premiers essais qui ont été faits de ravitaillement en vol sur la 400M, on va dire que, pour simplifier, les tuyaux n'étaient pas assez longs pour Ah. permettre aux hélicos d'avoir la bonne, on va dire, la bonne position pour ravitailler en évitant à la fois le flux, en n'étant pas gêné par leur propre rotor. Donc, ça avait été très compliqué. Donc, au début, Airbus avait proposé d'abandonner ça, qui était au contrat. OK. Puis finalement, comme ça a fait un peu un esclandre au sein des nations, Ouais. et que voilà, les nations n'étaient pas très contentes de ça, Airbus a retravaillé sa copie. Et en allongeant un petit peu le tuyau, en changeant deux, trois choses, voilà, l'affaire a été résolue. Et donc aujourd'hui, la capacité est là. Ok, Ouais, c'est pas, j'ai parce que trouvé c'est le. vrai que les hélicoptères, c'est pas évident, parce qu'il faut pas que l'hélice, le rotor de l'hélico, coupe le Ah bah tuyau devant, oui. Ah quoi. bah oui, ce serait Tu vois? fâcheux. Là, on voit Le tuyau, le tuyau avec exactement. un Ouais. avec C'est un le peu panier. plus, voilà, c'est un peu plus comme ça. T'as une espèce de perche arrière, donc avec Ok, ça un s'appelle. panier en point central. Voilà. Voilà. Sachant que si on regarde sur Et ça les se bouts descend. d'ailes du C-135, là, on a les pods extérieurs. Qui sont ici, hein. Et donc, c'est à peu près le même principe pour la 400. D'accord. J'ai une petite question là, parce que cet été là, on n'avait pas parlé de la 400M là, pour larguer de l'eau, où il n'y avait pas eu des Eh essais? bien justement, il y a une question de Dan Garcia là-dessus qui dit il y a eu des essais avec l'A400M pour aider les Canadair cet été durant les incendies. Cela sera-t-il définitivement mis en place? Est-ce que tu as des infos là-dessus? Non, j'en ai pas, Ok. parce que ça, c'est un programme développé par une filiale d'Airbus. Je pense que c'est quelque chose qui peut arriver à terme s'il y a des clients. La vraie question là-dedans, est-ce qu'il y a des clients, en fait? Est-ce qu'il y a des gens qui sont prêts à payer donc le développement et le Ouais, coût de la ouais. par rapport à ça? Après, en toute honnêteté, je pense que c'est une excellente idée. On voit bien que lorsqu'il y a beaucoup de feu, n'importe quelle aide est la bienvenue. Donc, même si la 400M ne remplacera jamais le Canadair pour diverses raisons, néanmoins, une grosse capacité d'eau sur un feu, bah c'est une aide précieuse, quoi qu'il arrive. Enfin, c'est comme les États-Unis, en gros, hein, si je simplifie. Ils ont bien des 747. On ne rentre pas dans une toute petite vallée avec un 747. On ne va pas les larguer à 50 pieds sol avec un 747. Pour autant, les 100 tonnes de flotte qu'ils larguent dessus, ça va être, voilà, Oui, ça va être assez efficace. ok. Bien, on reprend la photo, qui est assez chouette d'ailleurs, Ah bah où tiens, on tu vois, voit. un ravitailleur qui ravitaille un ravitailleur. Oui, c'est un peu ça. Parce que l'hélico, là, c'est un caracal, je suppose, hein, Oui, c'est comme un ça, caracal, tout à voilà, fait. qui peut ravitailler aussi. Voilà. Ça se trouve, c'est GPS Non, dans le alors 400M. le pod qu'on voit derrière le caracal, c'est le pod de la 400, c'est juste la perspective. Ah oui, Ah, les d'accord. malins! Attends, on va le remettre. Oui, on Ah, voit le ouais, tuyau on voit le devant, tuyau qui là, passe de devant. l'autre côté, ouais. D'accord. D'accord. D'accord, bah Ah oui, c'est parce que sûr. vous voyez avec l'image intéressante, c'est que vous voyez qu'avec le rotor et le panier, là, dans la position et le caracal, donc vous imaginez un tuyau un tout petit peu plus petit, voilà, en fonction des masses, Des on va dire turbulences. des incidences d'approche de l'hélico et puis de la 400, le flux d'air, voilà, donc ça pouvait poser problème. Là maintenant ça a été résolu, on le voit bien sur la photo, voilà, le Ouais. rotor est quand même assez loin, et il est assez loin du flux finalement, donc voilà, là c'est parfait. Alors, Très bien. les deux paniers sont sortis de manière symétrique justement pour des questions aérodynamiques? Non, pas du tout. Non, c'est juste pour la photo en fait. C'est juste pour la photo, certainement parce qu'ils faisaient des essais sur le pod droit, puis après sur le pod gauche, pour voir parce que les flux, ça, les flux sont différents du fait quand même du masquage du fuselage.
Et la perche du caracal, si on voit la photo, il me semble qu'elle doit être à droite, le long du fuselage à droite. Donc ça ne fait pas le même positionnement en fonction si c'est à droite de l'avion ou à gauche de l'avion. Donc le flux d'air sur l'hélicoptère est pas le même. Donc les deux places, le comportement de l'hélico va pas être le même en fonction du positionnement. Donc à chaque fois dans les essais, ils vont venir vérifier les deux pods pour voir comment ça se comporte, est-ce qu'il n'y a pas des effets de souffle particuliers en fonction du positionnement. D'accord. OK. J'ai une petite question là, parce qu'en fait, sur ces avions-là, 400M ou Transal, une procédure qui m'a toujours impressionné, c'est le largage des palettes sans s'arrêter. Est-ce que c'est une procédure officielle? Sans s'arrêter, c'est-à-dire au sol? Bah, c'est-à-dire qu'il est à très très basse altitude, la rampe est ouverte et il y a les palettes qui glissent dehors. Alors, ce que tu mentionnes, c'est ce qu'on appelait avant le largage TFH pour très faible hauteur. Au contrat à 400 m, c'est un largage qui avait été mis. En revanche, c'est un largage qui nécessite un environnement particulier et finalement une efficacité toute relative. Et donc, ça a été abandonné sur la 400 m. La complexité de la chose était. N'en Ah, valait pas la chandelle. d'accord. Sur Transal, j'ai eu la chance d'en faire avant que ça se termine. Et très honnêtement, opérationnellement, je crois bien qu'on n'en a jamais fait. Et puis, ça a été abandonné voilà, il y a déjà longtemps. C'était pas forcément efficace. Et puis, en plus de ça, derrière, ce qui était sur la palette, il y avait de grandes chances que ça fasse un cheval de bois ou autre. Donc, bon, Ah ouais. un véhicule, c'était dommage, quoi. Il y avait Ouais. beaucoup de risques en fait. Parce que j'avais vu que Ouais, il c'était y sur avait des beaucoup espèces trop de risques pour une de traîneaux là. efficacité peu démontrée. Ouais, d'accord. Ok. Deux petites questions du chat. Aviator 59 Polo qui demande quelle est la fréquence pour la maintenance. Est-ce que c'est un avion qui a plus de maintenance C'est d'ailleurs qu'un intéressant parce avion. que comme tu disais tout à l'heure, ça travaille dans le sable, dans le caillou. En plus, comme tu disais, c'était du composite et puis que ça aime du Ouais, ça aime pas composite, forcément ça les aime pas particules. porte forcément ça par rapport à l'atoll. Donc du coup, effectivement, il y a le côté maintenance qui a à voir aussi, très important. Ah, je pense, sans langue de bois, je pense que c'est un peu le point faible aujourd'hui de la machine. Oui. Je pense qu'aujourd'hui, c'est là où il y a un petit défaut dans la cuirasse, c'est qu'effectivement, la façon dont Airbus a planifié la maintenance sur l'avion ne correspond pas forcément à l'emploi que les forces ont de l'avion. Ouais. On va dire, si je caricature, ils ont fait un plan de maintenance classique de ce qu'ils connaissaient sur un avion de ligne Ah oui. sans vraiment prendre en compte les contraintes d'un avion militaire. Les Ouais. conditions, d'accord. Oui, c'est ça. Donc aujourd'hui, c'est un peu le point faible. Néanmoins, ça ne nous empêche pas de faire. Mais c'est vrai que ça demande pas mal d'heures de maintenance. Ça demande pas mal voilà, de boulot mécano pour mettre des avions en ligne de vol. Alors, D'accord. on sait que, par exemple, sur le Rafale, les éléments ont été, comment dire, modularisés pour pouvoir faciliter justement cette maintenance, démonter, remonter, faire ce genre de choses. Est-ce que c'était aussi une politique qui était prévue pour la 400M? Ils ont dit non, on reste sur une conception d'avion normale. Non, c'est ça là-dessus. C'est assez modulaire. Il y a pas trop de soucis. Mais bon, la complexité, c'est que c'est quand même des grosses machines et qu'il y a énormément effectivement de pièces et de pièces qui potentiellement souffrent. Je prends un exemple tout bête, un Rafale. Globalement, il fait dans sa journée, il va faire trois décollages et il va faire trois posées. Un A400 dans sa journée, il peut très bien faire la même chose ou il peut très bien faire 50 posées si on fait de l'entraînement sur terrain sommaire. Il peut faire du sable comme il peut faire voilà, tout un tas d'autres choses. Donc en fait, la palette est extrêmement large de mission et donc forcément, les contraintes sur l'avion sont aussi larges. Donc cela amène à des révisions et des pas de maintenance sur
les trains d'atterrissage ou sur d'autres choses beaucoup plus souvent que ce que tu n'avais envisagé potentiellement au départ. Ok, ça marche. J'ai trouvé ce petit graphique-là qui synthétise un petit peu ce dont on parlait depuis le début de l'émission. 37 tonnes de matériel, 116 soldats, un hélico. Et c'est surtout les dimensions, parce qu'on est quand même sur 45 mètres de longueur pour cet engin, avec 42 Ah ouais, quand mètres même, ouais. d'envergure. Comment est-ce que ça se pilote? Comment est-ce qu'on a une notion, quelque part, quand on est à bord, quand on est aux commandes, de la largeur de l'appareil, surtout si on n'est pas sur des taxiways, tu vois, au milieu de, sur un aéroport ou des choses qui sont balisées. Alors avec beaucoup d'entraînement, D'accord. ce qui explique aussi que les formations soient assez longues, avec beaucoup de formations, avec beaucoup de, on va dire, de techniques qui ont été développées par l'équipe de marque. L'équipe de marque, c'est un organisme du CEM, du Centre d'expertise aéronautique militaire, donc qui est en charge de développer. En gros, les machines que les forces achètent, d'écrire en gros les manuels d'utilisation militaire. Après, les commandes de vol de l'avion sont parfaites, franchement. Et piloter la 400M, peu importe sa taille, en fait, on ne s'en rend même pas compte. Il a un taux de roulis d'un Alpha Jet. Donc, Ah oui. en fait, on ne se rend pas tant compte de ça, que ça, de sa taille. En tout cas, en vol, on ne s'en rend pas compte. Effectivement, là où c'est plus compliqué, c'est les manœuvres au sol. D'autant que le cockpit est perché quand même à un peu plus de 4 mètres de haut. Notre champ de vision, en gros, devant le nez de l'avion, on a 12 mètres devant nous où on ne voit pas. Ouais, Donc, d'accord. pour des manœuvres sur des petits terrains mal pavés, voilà, Pas évident. c'est pas forcément évident, mais d'où l'entraînement. Ouais, ben là par exemple, si on regarde la dérive, elle culmine quand même à 14,70 m, donc quasiment 15 mètres de hauteur. C'est fou ça, hein? Ouais, c'est très haut. C'est très haut et c'est. Pour la petite histoire, c'est pas forcément évident, par exemple, pour faire du dégivrage ou pour trouver un hangar qui soit à la taille de l'avion. Ouais, d'accord. Parce que le dégivrage, même avec des camions, même avec des portiques, c'est pas forcément dans ces dimensions-là. Donc, les camions, les nacelles, il y avait qu'un seul type de machine qui arrivait à pulvériser jusqu'à cette hauteur-là. Mais bien évidemment, on est dans l'incapacité de venir vérifier que le dégivrage a été fait correctement. Oui, bien sûr. Et peut-être qu'on aura des A400M Air France, La Poste, comme il y a eu des Transal. Ouh là là! Alors, dans un gros débat, Bien. Ouais, alors, Ah on aimerait oui. bien, hein? On aimerait bien. Ouais. Ah, c'est parce que je savais qu'il y avait eu ça. Et là, je suis sur une photo de Transal, là, Ouais. avec la dérive Air France, marqué La Poste, avec Ouais, tout à notre fait. Il y avait sigle quelques bateau. Transal qui avaient fait l'aéropostale. Bon, je pense honnêtement qu'un quadri turboprop pour faire pour voler en France, C'est plus c'est un peu nécessaire, riche. là. Ouais, non, mais c'est ça. Surtout pour transporter des mails. Ben C'est ça. oui. Ouais, Après, voilà. je sais qu'à l'étude chez Airbus, il y a une version, on va dire, logistique de l'avion. Ouais. Donc, on va dire une version un peu civile de l'avion pour à terme peut-être être utilisé pour des compagnies qui auraient besoin de transporter des matériels. On peut imaginer, je ne sais pas si dans l'air du temps, mais des mines de lithium, des mines de cobalt ou de ce qu'on veut qui ont besoin d'une pelleteuse ou qui ont besoin d'un tractopelle sur place. Eh bien, il n'y a pas beaucoup d'avions aujourd'hui qui peuvent se poser dans le désert, pas très loin de la mine, avec un tractopelle à bord, quoi. Ouais, ou alors faire La 400M est tout à fait, c'est tout à fait dans ses plans. de l'évacuation sanitaire quand il y a des tremblements de terre quelque part, des tsunamis quelque part, pour éviter de demander ça aux militaires, mais peut-être faire une compagnie, effectivement, Ouais. une escadrille qui pourrait Ouais. faire ça, Après, bon. c'est toujours pareil, ces choses-là. Bon, ça ne va pas rentrer dans toutes les considérations, mais après, il y a toutes les notions aussi d'assurance, en fonction des dégradations des terrains, des risques à prendre. Bon, ce n'est pas toujours évident pour une compagnie civile. Là aussi, elle doit respecter normalement le CTA.
Donc, tout ce qui va être les règles de transport aérien. Et lorsque vous faites de l'évacuation sanitaire, on reprend l'exemple de l'Afghanistan où les gens sont assis par terre dans l'avion, ça ne correspond pas tout à fait aux règles de transport aérien. Ouais, on peut faire juste Ryanair. Oui. On peut faire un petit point rapide, si tu peux nous commenter la photo que je vais passer maintenant. C'est le poste de pilotage ah oui, de l'avion. Expliqué, là, un petit tour de cockpit. Là. Un petit tour de cockpit. Ouais. Bien sûr. Alors, si on reprend du joystick et tout ce qui va être le panneau avec les écrans, globalement, ça ressemble à un A380. Ouais. C'est à peu près la même architecture. Je dis à peu près parce qu'on a l'ACP, donc l'ACP qui est le boîtier de commande radio sur la gauche, qui n'est pas comme ça, je crois, sur l'A380. Et voilà, exactement, cette partie-là. Et puis, donc, juste au-dessus, là, si tu montes ta petite souris, ce qu'on appelle le glare shield, tout le bandeau là, qui est au-dessus. Donc, ça, c'est particulier à la 400M. Donc, là, sur la gauche, on a des boutons de commande. Donc, on voit marqué airdrop. Donc, effectivement, les lumières pour le largage. On a quelques boutons pour les affichages de la tête haute, le HUD, Head Up Display. Ensuite, on a les deux petits écrans verts là, sur le glare shield où c'est les réglages des affichages de chaque écran, donc qui sont juste en dessous, donc, avec tout un tas de modes différents. Et là, ce qu'un A380 n'a pas, bien entendu, ça va être tous les modes militaires, mode de suivi de terrain, des modes de caméra en cas de ravitaillement, de caméra de la soute. On va avoir tout ce qui va être liaison 16, tout ce qui va être de données tactiques. Est-ce que tu as fait du suivi de terrain, toi, perso? Alors, non, il est en cours d'expérimentation. Les premiers avions certifiés sont arrivés. J'en ai fait au simulateur en Espagne, chez Airbus. Sur l'avion, j'en ai pas encore fait. Ce que je peux dire, en tout cas, c'est que c'est très performant. Ouais. Alors, c'est pas basé sur un radar, c'est basé sur des bases de données de terrain. C'est assez bluffant quand même. D'accord. Okay. Donc, c'est les bases de données de terrain par rapport au GPS, c'est ça? Alors, le positionnement est fait par les centrales inertielles. Sur cet avion, on a trois centrales gyro laser qui sont hybridées avec des GPS militaires. On a en plus de ça des GPS civils. On a la possibilité, grâce à des particularités de notre radar, de faire du scan de l'environnement et du repositionnement grâce au scan. On a pour le positionnement globalement. Et donc, ensuite, à ça, on y rajoute la surcouche d'environnement et donc les databases, donc les données terrain en elles-mêmes. Et là, ça, les données terrain, eh bien, on a un mode particulier. Donc, sur les avions civils, si vous connaissez, vous avez le GPWS, c'est tout ce qui va être alerte de collision. Ouais. Eh bien, on a globalement la même chose, mais en spécifique militaire, avec en gros une cartographie 3D, terrain plus obstacle, et donc les antennes, lignes à haute tension, etc. Et donc on va voler avec ça. Donc en gros, ça nous permet, pour simplifier, ça nous permettrait à terme d'être IMC en basse altitude. Ouais, c'est super. India Mike, ne rien voir en volant entre 300 et 500 pieds sol. De nuit, sans lumière, sans rien. Et oui, c'est de nuit, on fait déjà. Donc de nuit, l'avion, il est complètement traité donc JVN, donc jumelle de vision nocturne. Donc tous nos vols de nuit aujourd'hui sont réalisés, en tout cas les vols de nuit tactiques sont réalisés sous JVN. Donc on les monte sur nos casques et puis on vole avec ça. On voit les informations du HUD là au travers de nos JVN. Et puis voilà. Et donc on navigue sous JVN et effectivement on navigue à 500 pieds sol sous JVN avec tous les systèmes embarqués. Ça réduit pas le champ de vision les jumelles de nuit là? Si. Ça fait un champ de vision d'à peu près 40 degrés lorsque votre vision à vous fait à peu près 180. Donc effectivement ouais, faut un peu bouger la tête pour reconstruire l'image. Oui, parce que le circuit visuel aussi là c'est pareil entre dehors et les instruments. Avec ça, ça ne doit pas être évident, quoi. Ouais, tout à fait. Bah, là, encore une fois, ça demande pas mal d'entraînement, ouais. Voilà, et donc, tu es instructeur à 400M. Oui.
D'accord. Alors, là, si t'avais, s'il y avait un élève là, qui était parmi les téléspectateurs, là, qui dit, bah, tiens, demain, je vais faire de la 400M, qu'est-ce qu'il faudrait que je fasse pour vraiment plaire à mon instructeur? Qu'est-ce que Un chèque. Quel Alors déjà, conseil? Un faut chèque. qu'il y ait. J'ai la réponse, un C'est vrai, chèque. avant Noël. Quel conseil tu Déjà, faut qu'il donnerais, y ait. par exemple, à un Déjà, jeune faut qu'il là, soit qui. militaire. Ouais, oui. Oui, non, mais voilà ce que je veux dire. C'est voilà, demain, il sait qu'il va être sur un 400M, qu'il va passer avec toi comme instructeur. Et il se dit, bah, tiens, je veux satisfaire mon instructeur. Quel conseil tu pourrais lui Bah, donner? faut juste qu'il fasse ce qu'on lui demande de faire. Voilà. Des questions? Non, Des c'est bon. questions? Non, mais je veux dire, Voilà. connaître les systèmes, tout ça, par Mais cœur, c'est en fait ça sert. c'est la base. La base de En tout fait, avion, quoi, c'est. il faut qu'ils connaissent l'avion par cœur. En fait, alors j'allais dire contrairement au monde civil, c'est un peu vache ce que je dis, mais c'est on attache une grande importance dans l'armée à connaître notre avion parce que il est bien évident que si tu te poses au milieu du désert et que tu as un problème technique, tu peux pas appeler l'assistance Air France pour venir te dépanner, quoi. Oui, c'est sûr. Voilà. Donc, il va falloir que tu te débrouilles pour analyser le problème et savoir si tu peux rentrer, pas rentrer, débrancher un truc et rentrer comme ça. Voilà. Donc, ça nécessite une vraie connaissance de son avion. Donc ça, déjà, c'est un point important. Après, il est bien évident que pour évoluer, on en a parlé donc sous jumelles de vision nocturne, avec du suivi de terrain en basse altitude, dans les nuages, sur un terrain de 1000 mètres, en sable, dans le désert, avec des méchants qui cherchent à vous tirer dessus, Ouais. il faut aussi voilà, bien bosser toute la partie du vol, la partie environnement tactique. Voilà. Donc Le c'est vraiment une sang-froid. globalité. Oui. Oui, c'est sûr. C'est sûr. Donc il n'y a pas. Voilà, c'est l'apprentissage est là pour ça, les Oui, instructeurs bien sont là sûr. pour ça, les méthodes sont mises en place, La voici, la l'enseignement voilà. est bien Je fait, il vous est demande. progressif. Donc il faut juste Travailler. voilà, Il n'y a pas de secret. travailler et puis bah, et puis être quand même on va dire un bon pilote. C'est un peu c'est comment dire un peu facile de dire ça, mais c'est Ah oui, bah justement, là, pour le suivi de terrain, basse altitude, tout ça, est-ce qu'il faut encore avoir cette sensation de pilotage aux fesses, comme on dit? Est-ce que. C'est moins vrai quand même avec un avion comme la 400M et les commandes de vol électriques. C'est moins vrai. Bah, néanmoins, il en faut forcément évoluer dans des vallées, évoluer sur des, encore une fois, sur des petits terrains et autres. Ça demande une précision de posée, ça demande une précision du vol. Il n'y a pas de place à l'erreur. Je veux dire, l'énergie cinétique, c'est la vitesse au carré. Hein, donc un nœud d'écart sur un avion qui fait 120 tonnes, bah, la masse fois la vitesse au carré, ça commence à faire D'accord. de l'énergie sur les freins et donc des distances d'atterrissage qui sont plus les mêmes. Et quand la piste fait 1000 mètres, bah, chaque mètre compte. Donc, à la fois le point d'impact, à la fois la vitesse, donc il n'y a pas de place à l'erreur. Et dans les vallées, enfin, j'imagine que dans les vallées, il faut bien anticiper la trajectoire pour incliner bien avant ou pour Bah bien oui, enrouler au relief, quoi, par exemple. ça demande une bonne maîtrise. Tu parlais au début de l'introduction de la Red Bull Race, etc. Alors, c'est quand même pas dans ces dimensions-là, bien évidemment, avec un gros avion comme la 400M, mais cet apprentissage de la 3D et de l'évolution en 3D, c'est cœur domaine pour nous, les militaires. Ouais, c'est sûr. Tiens, un petit sondage là peut-être. Qui veut voir des A400M faire les Red Bull Air Race? Ouais, Bah déjà, je vous invite à aller sur les meetings de l'air, ouais. voir la 400M Tactical Display faire sa représentation. C'est Vous impressionnant, ouais. verrez quand même un beau panel de ses capacités, même si tout un tas de raisons, ils peuvent pas vraiment vous montrer la pleine capacité de l'avion pour éviter, on va dire, de prendre trop de risques ou d'abîmer l'avion. Mais ça montre quand même l'envergure des capacités de l'avion. Oui, C'est déjà assez impressionnant. c'est clair. Oui, c'est sûr. J'ai déjà vu les Je décollages. vois que c'est déjà 52. On Oula. va envoyer vite fait le jingle. Foire aux questions, tu te Allez, prépares à faire foire aux questions. le bruitage. Oui. Foire aux questions, remise de gaz et les 5 dernières minutes de l'émission avec les dernières questions Et du ouais, on se chat qui vont dépêche parce arriver. que là, ça Et va si être vous en l'interview. avez, Allez. posez-les tout de suite parce qu'on va Allez. les traiter dans un instant. Vas-y, C'est appuie, parti. appuie, appuie. Non, 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 C'est pas la vraie musique, écoute, Remise de Nico. gaz. Fais un Foire aux effort. questions. Mais non, mais je me dépêche.
J'ai mis en accéléré. Voilà. Foire aux questions, remise de gaz. Eh ben, y a des questions qui arrivent, donc c'est parfait. Free Flight qui dit ça confirme ce que m'expliquait à côté de taf une amie pilote de transport qui a fait du Transal et maintenant sur CASA. Oui. Alors, dans les questions, une qui était venue tout à l'heure, qu'on va ressortir maintenant. Je crois avoir lu que l'A400M avait largué son premier drone récemment. C'est possible. Ouais, c'est Airbus qui fait des tests là-dessus, donc effectivement, ça c'est côté Airbus. Oui. Ok. Autre question d'Aviateur 59. Il faut combien de temps pour être opérationnel sur A400M? Alors, en tant que copilote opérationnel, il faut compter entre 2 et 3 ans. 2 et 3 ans. Ah oui, quand même. Ah ouais. Bah, en même temps, vu la complexité de la machine. Complexité des missions, c'est pas étonnant. Puis, hein. Puis les conditions, ouais, c'est ça, faut, ouais, c'est ça. Faut avoir de l'expérience. Après, différents niveaux on va dire, d'opérationnel, on va dire de base, voilà, 2 ou 3 ans. Après, il y a bien sûr la qualif commande bord, puis après, on a d'autres niveaux dans le tactique. Et là, on va dire que pour quelqu'un qui voudrait être full qualif sur un A400M, ça prend au moins 6 ans. Oui, ok. Il y a Céline alors qui pose une question en deux. Justement, est-ce qu'il n'y a pas eu trop d'incidents à cause de problèmes d'anticipation ou de maîtrise de l'avion? Non. Non, on n'a pas heureusement à déplorer ce genre de problème. Là encore une fois, on va dire que bon, le recrutement dans les armées est pas facile, mais les gens sont d'un bon niveau, les formations dans les armées sont bien faites. Bon, malheureusement, effectivement, il y a des échecs tout au long de la formation. On a des échecs aussi sur A400M et les gens vont faire autre chose après, derrière. Donc, tout ça nous permet effectivement déjà bon, voilà, de limiter si on a un pilote qui n'est pas au niveau. Bon, ça, c'est une chose. Après, les formations sont là aussi pour former au mieux les gens. Et les instructeurs sont aussi formés spécifiquement pour rattraper les situations particulières. Ouais. Alors, c'est vrai que sur des petits terrains ou des évolutions techniques compliquées, il faut être vif. Ok. Ouais. Ok. Toi, tu étais basé où et tu évoluais où principalement quand tu faisais justement de l'instruction sur 400M? Alors, la 400M, il n'est que sur la base d'Orléans. Donc tous les pilotes A400M sont à Orléans. Ok. Orléans-Brissy. Et après, vous alliez sur toute la France? C'est-à-dire? Ben, vous alliez évoluer sur toute la France au départ d'Orléans en entraînement? Ah oui, oui, tout à fait. Ouais. Puis partout dans le monde, hein, on fait des exercices au Canada, des exercices aux États-Unis, en Australie. On fait des exercices en Afrique, bien sûr, sur Djibouti, sur la Côte d'Ivoire. On rayonne partout. Des réparations chez Sabena à Nîmes. Je crois que j'avais vu JP qui était venu. Mais justement, j'avais vu JP se poser, il me semble, à Nîmes. Une fois où j'avais dit tiens, il y a 400 mètres. Il me dit ah ouais, mais j'y étais. Et puis en fait, c'était lui. On était à 100 mètres. Ouais, tout à fait. Il y avait une petite partie de maintenance qui se faisait à Nîmes. Ouais. Pour des raisons de hangar, on n'en avait pas assez à Orléans. Ah d'accord. Ouais. Ok. Il y a encore deux petites questions et puis on va clôturer là ce débat. Puis des portes de hangar qu'il faut 15 mètres là, pour entrer. Oui, c'est ça, pour que ça puisse rentrer dedans. Il n'y en a pas partout. Nicotine 70 qui demande combien ça consomme de fuel. Beaucoup. Voilà. Alors, on va dire qu'on est sur une moyenne de 4,5 tonnes à l'heure. Voilà. 4,5 tonnes de l'heure. D'accord. Bon. Et donc, puis, ça consomme pas mal. C'est pas de la mobilette. 59, pour rebondir ce que tu as dit, si c'est au bout de la formation, on considère que finalement il n'est pas apte pour être pilote militaire. Alors, je pense pas que ce soit pilote militaire, Aviateur 59. Je pense que c'était plus spécifiquement à 400M. Que peut-il faire dans l'armée de l'air? Il faut autre chose. Oui, après, ça peut être juste la machine qui ne convient pas à la personne. Donc, on peut la changer de machine. Après. On peut la mettre lui changer l'environnement, la mettre sur autre chose. Et puis, ça reste quand même un militaire, donc on peut s'en servir, on peut se servir de la personne. Voilà. Après, c'est toujours des machines compliquées, c'est des machines modernes. On,
voilà, on en demande quand même beaucoup aux gens. Après, ça ne veut pas dire qu'ils sont mauvais, ça veut pas dire qu'ils sont pas bons, ça veut pas dire qu'ils peuvent pas être pilotes. Enfin, je veux dire, ça n'a absolument rien à voir. C'est juste que pour cet avion-là, ça leur convient pas, c'est tout. Oui, Donc, on va en trouver un qui va leur convenir. Et puis, si malheureusement, à la fin, c'est quand même le métier de militaire qui ne leur convient pas, bon, ben là, pour le coup. peut mettre à l'éplucheur de patates, ça se fait encore ça, non? Dans l'armée. Oh, c'est fini tout ça. C'est fini. Oh, c'est Oh. fini, c'est Tout se fini, c'est perd. fini. Tout se perd, mon Terminé. bon monsieur, tout se C'est perd. ça, tout se perd. Ok, bah écoutez, je pense qu'on a fait le Là-bas, il est tour là. de tout, et comme ça va être l'heure, et ben justement, on va y Oui. aller. Ce JP va regarder aussi, hein, je crois. Nico serait-il apte? Bah oui, Nico, il est apte à tout, évidemment. Oh là Ah, ces questions. là. JP, un grand merci à toi d'avoir participé à la Merci zone aéro beaucoup, de ce hein. soir, de nous avoir éclairé un peu sur les ficelles du métier de l'avion, de la Mais en fait, 400M. bah, Ça merci à vous. m'a intéressé parce que j'ai regardé en fait la maquette au 1/72e. Tiens, pourquoi pas, tiens. Et ben voilà, la zone aéromaquette va reprendre Histoire du de service voir. avec Nico qui va nous faire un Ça peut A400M. être intéressant. Parfait. Jordan, mon match à ceux et celles qui vont le regarder, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Très Et la instructif. France. Voilà, donc tout est bien. Allez. On peut poursuivre d'ailleurs le débat pour celles et ceux qui le souhaitent sur Discord. Vous avez vu passer des liens dans le pendant T'as un pronostic, le live. JP, là? Ah, on T'as un parle foot? pronostic? Moi, je dirais bien 2-0 pour la France. 2-0? T'es pas chauvin, toi. Pas du Ben non, tout. pas du tout. Pourquoi on pose la question? Ah, c'est vrai que le Maroc a fait un très beau parcours. Hein. Oui, je dirais 3-2, Oui, 3. beau Il a mis parcours, beau 3-0, je parcours. crois. Hein. Ouais, c'est parfait. Faut les féliciter, mais ça va s'arrêter là. Ah ouais. Merci pour cette intervention. Bonsoir à toutes et tous pour Aviateur 59. Céline, merci pour cette belle émission. Jumpsuit, merci la zone. Bonne soirée. Je vais rattraper en replay. Aucun problème. Merci à vous. Bon, bah écoutez, la semaine prochaine, on se donne rendez-vous le 21 avec Mélanie Hassel, une voltigeuse qui a fait les Red Bull Race. Donc on va aussi parler un peu de sa carrière et puis de tout ce qu'elle a fait, ça sera intéressant de voir aussi la partie peut-être sponsoring qu'il y a derrière un pilote qui évolue professionnellement. Bah ouais, Comme les ça, de manière recherches, privée, ça comment peut elle être trouve ses sous, intéressant. quoi. C'est intéressant. Voilà, et les ovations sur le truc, donc c'est cool. Je vous demande de rester avec nous, les amis. Restez encore avec nous. 3-4 petites minutes, le temps du raid. On va passer chez Samuel Etienne, et c'est super important. Il a 4000 personnes. Il est en live là. Ah oui. Il a 4000 personnes. Au moins, ça va lui faire connaître la chaîne, parce que si on raid, il va aller regarder ce que c'est. Donc ça, c'est super pour la zone aéro. Donc restez le temps du raid, et après, vous faites ce que vous voulez. Samuel Mais Etienne, Samuel Etienne, ouais, journaliste sur France journaliste. Télévisions, donc c'est toujours intéressant. Ouais. Merci JP encore d'avoir participé. Merci à vous, les gars. Rendez-vous sur le Discord pour celles et ceux qui suivent. Et puis voilà, rendez-vous la Bah semaine ouais, bon prochaine. allez, je vais voir le match, moi, Bonne ciao, là. fête sinon à tout le monde, si on ne se revoit pas. Mélanie bosse Voilà, bonne énormément pour fête son de fin activité, d'année, c'est voilà. clair, Et ça puis marche. bon match à toutes et tous. Rendez-vous la semaine prochaine dans la zone. JP, merci encore et à très Ah, bientôt. ciao, allez On les lance le bleus. générique en espérant qu'il y ait du son, du coup. Du son, Et on est-ce va qu'il y a du résoudre ces son? Je vais problèmes pour regarder. la semaine prochaine. Ciao, ciao tout le monde. Bye bye. Salut et bonne fête. Merci.